life is such a fucking roller coaster. Then the drop. Un peu grandes, ces bottes, non? Gare à la chute. Halte, vous dis-je. Je suis Ronvide du Petit Marais. Tenu par serment... de m'habiller trois tailles au-dessus. D'honorer demoiselle Myrtille. Fleur parmi les fleurs, en triomphant de 100 chevaliers lors d'un duel à mort. Hâtez-vous de sortir votre épée. Il m'en reste 99 après vous. À votre service. Finissons-en. Allez, approche. Ça vous suffit? Oui. La chance vous a souri, mais la prochaine fois... défiez-moi encore. Levez la main, tirez votre épée, regardez-moi de travers, et je vous tue. Vous êtes si sûr de vous? Certain. Nous verrons. Bah. Oh! Si j'ai envie de pousser une vilaine, je le ferai. Mon col, ses interdictions. Vous vous souvenez de moi? Le palefrenier. Je t'ai tiré des flammes. J'oublierai jamais. Tenez, c'est pour vous. Sorceleur, un mot, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir. Qu'avez-vous fait avec lui? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. Voilà. Vous voyez ces roses très bien, et violettes. Je les ai rapportées de Nazaire. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Et celles-ci, les nervurées. En Zéricania, on les appelle oiseaux de paradis. Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait.
quelle pitié. Je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré Dea. Son esprit repose en paix, au moins. C'est un grand malheur qui vous accable. Mais c'était la seule solution. Non, pas maintenant. C'était trop tard, c'est évident. J'aurais dû agir plus tôt. Les arracher à cette foutue ville. Dans ce trou, ce bourbier infect, tout bonheur est impossible. J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose ? Rentrons. Il commence à faire frais. Quelles sont les nouvelles ? Votre fille est à Ochsenfurt. Pas possible. Comment est-elle ? En bonne santé ? En sécurité ? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous ? Je ne me suis jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien ? L'avez-vous seulement vue ? Non, mais j'ai parlé à l'homme qui l'a aidé à fuir et recueilli par la suite. Tamara est saine et sauve. D'après ce que j'ai compris, elle ne désire nullement vous revoir et n'a pas l'intention de revenir. Je refuse de faire confiance à un pécor. À quiconque l'a aidé, je dois avoir la certitude qu'elle est sauve. Allez la trouver. Voyez par vous-même. Je ne me fie à personne d'autre. C'est dans mes cordes. Je vous en sais gré. Tenez, à titre d'encouragement, vous pourriez en avoir l'usage. Qu'est-ce que c'est ? Un sauf-conduit. Depuis que les Rédaniens ont fait main basse sur le delta du Pontard, il est très difficile de rallier Novigrad sans laisser passer. Eh bien, vous étiez censé les retrouver toutes les deux. Qu'en est-il d'Anna ? Du nouveau ? Rien pour le moment, mais je suis sur sa piste. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Que vous me parliez de Ciri, comme convenu. La parole donnée, une fois remise, nous avons convié Ciri à une partie de chasse. Pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, crispés par ce long repos. Votre petite là, une vraie perle. S'en prendre à un sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Foltest. Ciri, venez. J'estime que tout le cuisseau devrait vous revenir. Ouais, bien joué, jeune fille. Pas mal. Pas mal du tout. Mais... tu chasses toujours le sanglier à l'épée ? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée est tout ce que j'ai. Eh ben, on peut dire que tu sais t'en servir. Où est-ce que tu as appris ? À Kermoren. L'école des sorceleurs ? Mais je croyais que c'était réservé aux garçons. Ils ont fait une exception pour moi. C'est ça, oui. Et ça fait de toi une sorceleuse ? Pas entièrement. Je n'ai subi aucune mutation. Mais tout ce que je sais, je l'ai appris auprès des maîtres sorceleurs. Les potions, tu t'y connais ? Pas des masses. Un peu. Parce que des fois, ça me gratouille un peu les... L'affaire, Migrine. Garde ta gratouille pour toi. Une donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, il n'y a plus personne. À cheval, vous valez rien. Pas étonnant, tout de travers sur la selle. Tu veux parier ? Tu te crois plus forte que moi sur un bourrin ? Et je veux voir ça. On parie quoi ? La jument noire. Celle à l'écurie. Oh, ça n'ira pas du tout, ça. Alors, l'ami, on a les foies ? Non. Pourquoi pas, alors ? La jument m'appartient. Me mesurer au baron en personne ? Ce
Ce serait un honneur. Oh, quel spectacle ça ferait. Et comment? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. Entendu. Et assez bu pour ce soir. Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à l'aube. Se lève. Vous êtes prêt? Toujours. Premier rendu à la tour. Ancel. Allez, Siri. Ne vous faites pas honte. Allez. Filez comme le vent, jeune fille. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. La jument est à vous. Mille merci. Qu'est-ce que... Tu n'es peut-être pas perdu. Elle hurlait comme une démente. En un instant, tous avaient oublié l'enjeu. Chacun s'est mis à courir, pour sauver sa peau, fût-ce au risque de se rompre le cou. Et ça a donné quoi? Certains s'en sont tirés, d'autres ont eu moins de chance. Mais ce qui s'est passé alors... Je vous le dis, sorceleur, j'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça, jamais. Oh, je connais cet air-là. Vous apprenez vite. Vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme. J'y travaille. Et vous ne progressez pas d'un poil. Elles se sont séparées, je n'avais pas envisagé cette possibilité. Mais ne vous en faites pas. Je retrouverai Anna. Adieu. Un instant, sorceleur. Quand vous trouverez ma fille, voulez-vous lui donner ceci? Une poupée de chiffon. Allons nourrir la crampe. Il doit être en train de bouffer sa morve tellement il a faim. Ouais, d'accord, mais demain. En quoi puis-je vous aider? Je jetterai bien un coup d'œil à vos articles.
Au revoir. Hé les gars, si on allait s'occuper... Parle de la fille du forgeron. Elle avec les dents écartées. C'est pas une mauvaise idée. Je te vous emporte tous. Baron Maiden. Si j'ai envie de trousser une vilaine, je le ferai. Le baron est de méchante humeur quand il est bien. Et il boit. Ralentissons l'allure. Passez vite, tablette. Voilà la fosse commune que je cherche. L'huile sainte maintenant. Espérons qu'elle brûle bien. Oh, tout doux, ma mère.
Du calme. Longue vie, blablabla. Vous avez laissé passer ? Pas besoin d'aller se passer. Moins vite. Halte ! On ne passe pas. Une épidémie de peste a éclaté en ville ? La peste ? Non. Nos ordres sont d'empêcher quiconque d'entrer en ville. Sauf présentation d'un permis. C'est de ça dont vous parliez ? Laissez-moi voir ça de plus près. Il manque un sceau, le rouge. C'est pas vrai. Le département de la défense civile, ils l'ont encore oublié. Ils sont sacrément négligents en ce moment. Enfin, ça arrive. Ouais. Vous pouvez passer. Allez-y, passez. Au galop, Ablette. Pas d'histoire. D'accord ? Honneur et patron. Que vous faut-il ? Si je ne l'ai pas en stock, dites-moi tout et je l'aurai demain. Voyons ce qui pourrait m'intéresser. Adieu. Excusez-moi, c'est juste. Salutations. C'est un sorceleur. Mon petit doigt me dit qu'un travail intéressant se présente. Vous semblez passablement occupé déjà. Oh, ça ? Une commande d'armure rédanienne, une tâche répétitive encore et encore, un boulot alimentaire sans intérêt aucun. Vous souhaitez peaufiner votre art ? Bien sûr. Forger, c'est comme besogner une donzelle. À la hussarde, on arrive à ses fins, mais sans que la belle grimpe aux tentures. Alors, vous avez une commande spéciale qui vous permette de rester en forme. On parle toujours d'armure, n'est-ce pas ? Évidemment. De quoi d'autre ?
Montrez-moi un peu ce que vous avez. Adieu. Je cherche Tamara, la fille du baron sanglant. Votre frère m'a dit qu'elle était ici. C'est Wojtek qui vous envoie? Sinon, comment saurais-je qu'elle est chez vous? Un instant. Je vais la chercher. Vous me cherchez? À qui ai-je l'honneur? Est-ce mon père qui vous envoie? Oui, pour savoir si vous êtes en vie. Et comment vous allez? Je suis Geralt de Rive. Je suis vivante et je vais très bien, Geralt de Rive. Mieux que jamais de toute ma chienne de vie. Maintenant que vous m'avez vue, bonjour chez vous. Attendez. Nous n'avons plus rien à nous dire. Vous avez le droit d'être fâché, mais ça n'empêche pas votre père d'être inquiet. J'ai le droit. Trop aimable. Je chéris l'approbation d'un de ses soudards. Quant à père, tout ce qui l'intéresse, c'est sa prochaine cuite. Il n'a rien d'un saint, c'est sûr, mais il remue ciel et terre pour vous retrouver. Votre mère et vous... À ses yeux, rien d'autre ne semble important. Je sais reconnaître les hommes mauvais. Il n'en est pas un. Dommage qu'il n'ait jamais fait preuve d'une telle sollicitude avant. Surtout envers ma mère. Il reconnaît ses erreurs passées. Je ne prends pas sa défense. Je dis juste qu'il semble avoir pris la mesure de ses actes. Et de ce que vous représentez pour lui. Formidable, je m'en souviendrai. Vous avez vraiment fait tout ce chemin pour me dire ça ? Avant que j'accepte de partir à votre recherche, votre père m'a raconté sa version des faits. Racontez-moi la vôtre. La mienne ? Elle est aussi maussade que la vie dans les marais. Le premier souvenir que j'ai de mon père, c'est celui d'un ivrogne vautré dans la fange, une bouteille à la main. Les 10 ou 12 années suivantes, c'est du pareil au même. Père buvant, disparaissant des jours entiers, et revenant pour piquer une crise. Heureusement, il y avait les guerres. J'étais heureuse chaque fois qu'il partait. Et les disputes? Je le revois hurlant après ma mère,
Je réentends les coups sourds qu'il lui donnait, ses sanglots à elle. Je me cachais sous mon lit, avide de silence. Les années ressemblaient à ça. Multipliées par 19, et ça résume toute ma vie. On a fini par en avoir assez, mère et moi. Il est allé trop loin, alors on a fui. Sans vouloir être indiscret, je sais que votre mère a fait une fausse couche. C'est la faute de père. Il l'a bousculée, elle est tombée. C'est ainsi que ça a commencé. Nous étions seuls. Tout se sent partout. La pire soirée de ma vie. J'en suis désolé. Ça a dû être horrible pour vous deux. Mère délirait. Elle répétait que c'était mieux ainsi, qu'elle n'avait jamais voulu ce bébé. La fièvre sûrement. Elle perdait beaucoup de sang. Elle ne voulait pas du bébé? Elle disait qu'elle se serait éventrée plutôt que de mettre au monde son enfant à lui. Wojtek prétend que votre mère avait des marques étranges sur les mains, qu'un monstre l'a attirée dans les bois. Est-ce vrai? Oui. Nous chevauchions vers la rivière. Soudain, ma mère a crié et s'est penchée, manquant de tomber de cheval. En m'approchant, j'ai vu quelque chose de bizarre. Ses mains étaient en feu. Puis cette chose a surgi du sous-bois. Elle a rugi si fort que mon nez s'est mis à saigner. Je l'ai vu renverser des arbres. Jamais je n'ai eu si peur de ma vie. La créature a saisi ma mère et s'est enfoncée dans le bois. J'ai voulu faire demi-tour, la prendre en chasse, mais les chevaux paniquaient. J'ignore si elle a survécu. Que comptez-vous faire? Retrouver ma mère. Ce ne sera pas chose facile, vous savez. Je ne suis pas idiote, je ne compte pas agir seule. J'ai de nouveaux amis, des amis puissants. Ils m'aideront. Qui sont ces amis, si ce n'est pas un secret? Vous avez entendu parler du feu éternel? Un de leurs prêtres m'a aidé à contacter les chasseurs de sorcières rédaniens. Des hommes dévoués, sans peur. Ils m'aideront. D'où les bougies dans votre chambre? Vous croyez au feu éternel? Quand la chaleur du feu a touché votre cœur, elle vous renforce et vous guide sur la voie de la vérité jusqu'au dernier jour de votre vie. Puisse-t-elle vous réchauffer le cœur? Merci. Mais le feu, c'est imprévisible. On a vite fait de se brûler. Et votre père? Qui? Oh, lui! Je m'en moque. Pas question de retourner le voir. Cette partie de ma vie, je l'ai déjà oubliée. Eh bien, un sorceleur. Qui aurait cru que le baron embaucherait un tueur de monstres? Mais il paraît que vous avez aussi des talents d'enquêteur. On a vu des pères aux abois tenter des tas de choses pour récupérer leur fille. C'est inattendu venant d'un sorceleur. Je croyais que les mutations vous purgeaient de toute humanité, de toute émotion. Pas besoin de mutations pour priver un homme de son humanité. J'ai été témoin de maints exemples. Je suis connu, on dirait. Mais vous ne vous êtes pas présenté. Graden, chasseur de sorcières, au service de sa royale majesté Radovid de Redania. Vous avez dû entendre parler de nous. Ça me dit quelque chose. Si le baron sanglant vous envoie quérir sa fille, mieux vaut l'admettre. Votre mission est vouée à l'échec. Merci, mais je me passerai de votre sollicitude. Quant à Tamara, son sort lui appartient. Quelle belle âme. Un tueur à gages qui renonce à sa prime pour le bien d'autrui. Les chasseurs du feu éternel vous remercient. Où comptez-vous l'emmener? Tamara a besoin de repos. Elle a vécu une expérience éprouvante. Quand la chaleur du feu éternel lui aura redonné des forces, il sera temps d'aller trouver sa mère. Avant que vous partiez, votre père m'a chargé de vous donner ça. Clara? Père vous a demandé de me donner Clara? Amusant qu'il ait cru me récupérer à l'aide d'un souvenir. Dites-lui qu'un beau geste ne rachète pas une enfance malheureuse. Adieu, sorceleur. Malgré tout, je... vous sais gré de m'avoir laissé le choix, de ne pas m'avoir ramené de force auprès de ce tyran. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Adieu et bonne chance.
te faire avaler mon épée, mais... Putain, on les a fait. Je veux de l'angle. Un petit coup d'œil sur mes marchandises. Allez, Nijon, d'un spectre de ministre encore plus lourd que moi. Putain! C'est un bon boulot que mon mari a trouvé, hein. Il y a pire. Hier, il a rapporté un seau d'épluchure. Il a pris deux. Oh, quoi ? Si, si. Oh, quoi ? J'ai du mal. T'as des yeux de chat, t'attrapes aussi les souris. Oh ! Oh ! Le butage. Je vais vous dire où il est. C'est ce que j'aurais fait. Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire ? J'ai donné votre cadeau à Tamara. Comment a-t-elle réagi ? Pas exactement comme vous l'espériez, je crains. Elle a balancé la poupée. Balancé ? Dieu ! J'espérais malgré tout... Oh. Des nouvelles d'Anna ? Je n'ai toujours rien de probant, mais je suis sur sa piste. Dans ce cas, pourquoi restez-vous planté, là ? Retrouvez-la ! Adieu. C'est aussi cuité hier soir. Alors Ciri est venue ici. L'obscurité naturelle des malédictions, par Lydia Van Bredvoort. Ciri s'est-elle procuré ça ? Une dédicace à l'intention du baron et de sa femme. Ainsi on fréquente le gratin de Vizima. Les affaires de Ciri. On dirait qu'elle est partie précipitamment. Elle appartient à Gretka. On essaie de se décompter. Un peu, ouais. Pas tout de suite. J'ai pas été...
été témoin, mais il paraît qu'il l'a attrapé par sa cape et blan, un coup en pleine poire. Ouais, direct dans la gueule. Si on allait s'occuper de cette bestiole. Tu parles de la fille du forgeron? Elle avec les dents écartées? C'est pas une mauvaise idée. Elle en a une sacrée paire. Tiens-toi tranquille, hurleur. Un petit coup d'œil à nos articles. On s'est constitué une jolie petite collection. Pourquoi laisser de si belles choses moisir dans des huttes de Pekno? Montrez-moi ce que vous avez. Adieu. Ah. Les garçons du village se sont réunis. S'ils voient quelqu'un qui transporte une marchandise sur la route, ils lui sautent dessus, et s'il n'est pas décidé à tout leur donner, il se prend un coup de marteau. What are you waiting?